Diviser 2 et 1 quart par 1 et 3 quarts. Écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Bon, ça on verra plus tard. On va commencer par déjà par écrire cette division qu'on doit faire. Donc on doit diviser 2 et 1 quart. Alors 2 et 1 quart, c'est ce nombre-là. Je vais l'écrire comme ça. C'est 2 plus 1 quart. Et ça, je le mets entre parenthèses. Et donc ce nombre, je dois le diviser, donc je vais écrire diviser par le deuxième nombre qui est là. 1 et 3 quarts. 1 et 3 quarts. Donc je vais faire pareil. Je vais le réécrire mais entre parenthèses et avec un symbole. Donc c'est 1 et 3 quarts. C'est 1 plus 3 quarts en fait. Voilà. La division que je dois faire c'est celle-là. 2 plus 1 quart divisé par 1 plus 3 quarts. Alors on ne va pas le faire comme ça directement. Ce qu'on va faire c'est... Euh, on est obligé de faire comme ça. On va mettre chacun des deux nombres. C'est des nombres fractionnaires. On va les mettre tous les deux sous la forme de fractions impropre. Donc, alors, le 2 qui est là, tu peux le penser comme 2 fois 4 sur 4. 2 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 4 sur 4. 2 fois 4 sur 4, ça fait 8, 8 sur 4, donc 8 quarts. Et il faut encore que j'ajoute ce 1 quart qui est là. Donc là, j'ai écrit le premier nombre, 8 quarts plus 1 quart. Et donc ça, je vais pouvoir écrire tout de suite que c'est en fait 8 quarts plus 1 quart, en fait c'est 9 quarts. 9 voilà. Donc là, j'ai exprimé le premier nombre, 2 plus 1 quart, sous la forme d'une fraction impropre, qui est 9 quarts. Maintenant, je vais faire la même chose avec le deuxième nombre. Donc j'écris le divisé, le signe divisé, et puis j'ai donc 1 que je peux considérer comme 4 quarts. 1, c'est 4 quarts, donc j'ai ici 4 quarts, plus les 3 quarts qu'il faut ajouter. Voilà, bon, tout ça on l'a déjà fait dans plein de vidéos, donc si tu as des difficultés, tu peux aller regarder ces vidéos-là. Alors, en tout cas, là, ici, j'ai 4 quarts plus 3 quarts, ça, ça fait... Euh, 4 plus 3, ça fait 7, donc j'ai 7 quarts. Donc, la division que je dois faire, finalement, c'est 9 quarts divisé par 7 quarts. Voilà. Donc, cette division-là, ça égale à celle-là, qui est égale à celle-là. Je vais mettre un signe égal ici. Alors, maintenant, on sait que quand on divise deux fractions, en fait, ça revient à multiplier par l'inverse. Diviser une fraction par une autre ça dev... revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Alors ici, l'inverse de 3 quarts, je vais l'écrire à côté, l'inverse de 3 quarts, inverse de... pas de 3 quarts, de 7 quarts, pardon. L'inverse de 7 quarts, ben, tout simplement, on renverse la fraction, donc c'est 4 septièmes. Le numérateur devient le dénominateur, et le dénominateur devient le numérateur. Voilà alors du coup, je vais pouvoir écrire cette division comme ça. C'est en fait 9 quarts multiplié, je vais mettre ça en rouge, hein, multiplié par 4 septièmes. Multiplié par 4 septièmes. Je prends la fraction 9 quarts, je la divise par 7 quarts, ça revient exactement au même que prendre la fraction 9 quarts et la multiplier par l'inverse de 7 quarts, qui est 4 septièmes. Voilà, alors là on se retrouve avec une multiplication qu'on sait faire normalement. Alors le bon réflexe, ici on pourrait toujours faire 9 fois 4 divisé par 4 fois 7, mais bon on ferait des multiplications et après il faudrait simplifier la fraction donc c'est un bon réflexe d'essayer de simplifier déjà ce qu'on peut ici. Donc là j'ai déjà, en fait j'ai un 4 ici au numérateur et un 4 ici au dénominateur donc je vais pouvoir les simplifier. Et donc ici en fait ce 4 un, ça va être un 1 et là ici ce 4 va être un 1 ici. Donc au numérateur j'ai 9 fois 1 c'est-à-dire 9. Et au dénominateur, j'ai 1 fois 7, c'est-à-dire 7. Et donc là, j'ai trouvé le résultat de cette division, c'est 9 septièmes. Alors ça, c'est bon, j'ai déjà réussi à calculer cette division, mais ce n'est pas tout à fait fini pour ici, puisque ce qu'on nous demandait, c'est d'écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Donc ça, il faut encore faire un petit travail. Alors, il faut tout simplement se demander dans 9 combien de fois je peux mettre, je peux mettre 7. Et en fait, là, c'est assez facile de voir que 9, c'est 7 plus 2, donc finalement, cette fraction-là, 9 sur 7, c'est 7 plus 2 sur 7, donc ça fait 7 sur 7 plus 2 sur 7, la 7 sur 7, ça, je vais le faire en violet, ça c'est 1, donc finalement, j'obtiens 1 plus 2 septième, voilà et ça, par contre, c'est le résultat, c'est exactement ce qu'on nous demande, le résultat de cette division, de la division de ces deux nombres sous la forme d'un nombre fractionnaire. Voilà.